De nouvelles flambées de Covid-19. Pour la première fois depuis le 22 juin dernier, le nombre de personnes hospitalisées en France est repassé au-dessus de 10 000 ces dernières heures, alors que le télétravail, lui, s'essouffle. Avant même les vacances, on en était à 4% de salariés français qui étaient entièrement en télétravail. Alors, on vous pose cette question. Est-ce que vous craignez le retour au bureau dans quelques jours, dans quelques semaines? Vous nous appelez au 3216, reportage de Bettina de Guglielmo. Les règles restent strictes dans l'entreprise de Sarah, commerciale, masque, gel, distanciation sociale. Elle doit être au bureau au moins 2 jours par semaine, mais elle appréhende la rentrée et le retour de tous ses collègues et clients. Je n'irai pas plus souvent. Pour le moment, si j'avais le choix, je préfère rester chez moi. Étant anglaise, en Angleterre, la majorité des adultes sont doublement vaccinés. Tandis qu'en France, il y a toujours pas mal de résistance par rapport à ça. On ne sait jamais si on peut se retrouver avec des gens qui sont vaccinés ou pas. J'avoue que j'ai une légère inquiétude par rapport à ça. Secrétaire Emma, elle a confiance en ses collègues, c'est le trajet pour aller au travail qui l'inquiète. Les gens, ils forcent le passage pour entrer absolument dans le métro. On est collés, on est à 5 cm. Les gens ne mettent pas forcément le masque avec la chaleur, puisque du coup, ils sont essoufflés avec les escaliers du métro. Oui, c'est ça le gros point négatif. Ouais. Comme beaucoup d'autres, Pauline a fait du télétravail pendant près d'un an et demi. Le présentiel se remet doucement en place pour cette responsable des ventes dans l'agroalimentaire. Un retour sans encombre. Bon, on va continuer quand même à mettre le masque quand on sera dans les open space. Et moi, je suis plutôt rassurée, je suis vaccinée. Je sais qu'il y a une majorité de personnes au boulot qui sont vaccinées aussi. Donc j'ai plutôt confiance. Une organisation nouvelle et des appréhensions que les responsables d'équipe vont devoir gérer, selon Jean-Marc Le Gall, conseiller en stratégie sociale. Ceux qui vont porter le retour et qui ont porté la crise, ce sont les managers. Il faut des managers de proximité, plus proches des gens, qui identifient les problèmes, qui peuvent parler... Par exemple, de l'insécurité. Vous avez des gens que la pandémie inquiète. Et donc, ce sont des sujets qui auparavant étaient considérés comme privés, mais qui vont d'une certaine manière devoir être abordés dans la vie professionnelle. Donc, il faut des managers qui aient vraiment le tact et la qualité relationnelle, probablement plus qu'avant. Il constate que, de manière générale, de nombreux salariés sont optimistes sur le retour en présentiel.